Lorsque j'ai vu le capitaine Joe venir me trouver dans ma chambre pour me dire de la part du général qu'on n'a qu'à aller au magasin voir ce qui se passe là-bas. Je lui ai dit, ah, puisque moi, je ne reçois pas d'ordre du général, mais je ne l'ai pas dit ça. J'ai dit seulement, ah, moi, je ne peux pas aller, allez-y voir la garnison. J'ai dit, ils sont partis, tout ça, je ne savais pas ce qui se passait au magasin. Donc, j'ai expliqué ça. Ici, j'ai répondu à cette question, maître. Donc, vous, les questions, c'est-à-dire, sont déformées, mes paroles, du moins, sont déformées, sinon, j'ai répondu. Voilà. Oui, monsieur le Président, je vais, pour plus de clarté, repartir dans vos deux procès-verbaux, dans lesquels vous dites ces deux choses de façon contradictoire. À la page 5 du procès-verbal qui a été dressé en décembre à Dakar, voilà ce que vous dites. Cela m'a énervé, et même ce jour, j'ai dit à mon adjoint que personne ne vienne me parler de ça, ce n'est pas mon problème. Le même jour, vers 19h, Joe, qui est le commandant de la garde du général Sukuba Konaté, est venu me dire que le général a demandé de partir avec lui au magasin d'armement pour chercher des armes. Ça, c'est ce que vous avez dit à Dakar. Ici, non, continuez, parce que continuez la lecture sur ça même. Si vous arrêtez, je n'ai pas besoin de lui pour le document, puisque ma question s'adresse à ça. Sinon, je vais vous aider. Vous connaissez le monsieur de quitter. Voilà. Calmez-vous. Merci. Continuez votre. Voilà. Dans le deuxième procès verbal. Non, le même. Le même. Écoutez, vous ne me donnez pas. S'il vous plaît. Vous vous calmez. Ah, ouais, d'accord. Vous ne me donnez pas d'ordre. Monsieur le Président. Dans le deuxième procès verbal. Et pendant toujours de jour, vous avez dit, dans la même journée, le groupe de la garde présidentielle, dont le capitaine Vélo Sangaré et autres sont venus se doter à partir de magasins d'importants lots d'armes. Lorsqu'ils m'ont retrouvé avec un camion rempli de ces armes collectives et individuelles, ils m'ont dit que c'est le président Badis qui a donné l'ordre. Peu de temps après, le général Sekouba Konaté a envoyé le commandant Joe pour dire d'aller chercher avec lui des armes au magasin. Donc, ma question est de savoir laquelle des deux versions on retient. Et pour aller vite. Et qu'est-ce que j'ai expliqué ici? Quelle est la version qui tient? C'est ce qu'elle veut savoir. Moi, je n'ai plus l'ordre de ça parce que j'ai répondu à ça ici. Je ne suis pas passé. Voilà, moi, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Moi, j'ai expliqué par rapport comment. Ils ont été trouvés au magasin, comme le camion. Et eux-mêmes, ils sont venus encore chez moi, comme ils sont montés en criant, comme ils m'ont dit que c'est le président. J'ai regardé Joe, j'ai dit informe le général.